Ça y est, c'est bon, je suis là, il y a de la voix, il y a du son. Si je me faisais un petit fade, histoire d'être parfait. Oh, c'est beau, impeccable, superbe. Merci d'être là, bonsoir à toutes et à tous les bassistes. Comment allez-vous bien? Oui, je sais, il a fait beau aujourd'hui. Oui, je sais, il a fait chaud. Et pourtant, vous êtes là, c'est complètement fou. Merci à vous tous pour ce 104e live qui va parler aujourd'hui de quoi? De la créativité, encore, à la basse. Et notamment, comment enrichir une ligne de basse à partir d'un petit blues binaire, un petit blues funky, comme il en existe tellement. Et je pensais, notamment grâce à un follower sur Facebook, je crois que c'est Ronan peut-être, qui ne peut pas être là ce soir en plus. On évoquait l'idée de travailler sur une petite grille de blues à la Tracy Chapman, un morceau que j'avais commencé à relever là. Donc là voilà, une petite ambiance bluesy, puisqu'on a trois accords principalement. Donc votre oreille devrait être... Mais tiens, mais Virginie est là. Salut Virginie. Seb, Thierry, Eric, Nico, Fred, Jean-Frédéric, Guillaume. Et puis tous ceux qui se sont insérés entre les membres du chat, les membres YouTube. Michel, Pascal, Maxime, Tibur, Soré, Pierre. Eh mais au fait, vous êtes tous là. Presque. Chris est là. Lipfi est là. Salut Lipfi. Je vais répondre à ton mail. C'est promis. Fred, etc., etc. Je ne peux pas tous vous nommer. David est là, Laurent, ben voilà, je connais la plupart d'entre vous. Guy est là, Mystery Fab est là aussi. Et donc, je vous disais, on va essayer d'enrichir à partir d'une petite grille de blues que vous devez commencer à reconnaître à l'oreille. Hein, quand il y a un premier accord du blues, boum, le deuxième qui arrive, c'est sûr, le quatrième degré, etc., le dernier accord du blues, 5, 4, 1, etc. Si ce n'est pas votre cas, si vous ne reconnaissez pas encore à l'oreille ce type de suite d'accords, bah, je vous conseille de regarder peut-être les replays des lives où on en a déjà parlé, parce qu'on est déjà à 104 lives, on en reparlera hein, de la structure du blues. Mais vous pouvez, je pense, commencer à taper sur YouTube bassistique et puis un thème. Donc bassistique, blues, et boum, il y a certainement les replays concernés qui vont tomber dans YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça, parce qu'on a déjà évoqué ce genre de sujet. Mais évidemment, ça revient toujours sur le tapis. En tout cas, merci à tous d'être là malgré ce beau temps. Dites-moi dans les commentaires, soit dans le chat en direct, soit dans les commentaires sous la vidéo, une fois que le replay sera installé. Est-ce qu'il faut qu'on change d'horaire avec les beaux jours qui arrivent? Je sais que le dimanche, hein, on va beaucoup plus traîner dehors et tout ça. Est-ce qu'il faut, d'après vous, retarder le live et passer à 21h, carrément le dimanche soir? Ou est-ce qu'on garde 19h? L'été arrive, je sais qu'il va y avoir moins de fréquentation sur les lives. Bah, dites-moi dans le chat, dites-moi en commentaire ensuite, sous le replay. J'ai besoin de vos avis, les copains. Voilà, en tout cas, ouais, je vous ai préparé donc une petite grille de blues avec un backing track à récupérer. La petite pub, ici, c'est pour la personne qui a fait le backing track du générique, là, que vous avez entendu. Donc vous pouvez aller faire un tour ici, et je vous ai mis en description et en commentaire le lien direct sur YouTube du backing track concerné. Et donc, j'ai le droit de l'utiliser. Si je lui fais un petit peu de pub, bah voilà, il fait son truc sur Jamtrack. Le gars, il bosse bien, le gars qui fabrique ses backings, quoi. Donc vous pouvez vous entraîner dessus. Donc allez voir dans les commentaires, j'ai épinglé l'adresse exacte. Et puis pour ceux qui récupèrent le contenu, pour les membres YouTube, ou pour ceux qui font un don sur le Tipeee, eh ben vous aurez le backing en MP3 dans le dossier à récupérer, avec la partition et le fichier Guitar Pro, évidemment. Voilà, ok. Ouais, 21h, ça pourrait être sympa, dit Stéphane. 21h, Fred. Ouais, Madame Big Baff, elle est déjà couchée à cette heure-ci. Elle se couche avec les poules le dimanche. Ouais, 19h pour Seb. Ouais, c'est toujours pareil. Hein. On ne pourra pas contenter tout le monde, mais
Voilà, je regarderai le chat en replay, voir un petit peu vos réponses. 19h ou 21h, les prochains lives. On verra bien quelle majorité l'emporte. Comme pour dimanche prochain. Suspense, je ferai un dépouillement. Dimanche prochain, il n'y aura pas de live en parlant de ça, puisqu'on va laisser justement les vrais dépouillements se faire dimanche. Hein, dimanche prochain, élection, tout ça, piège à un, quoi. Donc, il n'y aura pas de live dimanche prochain. On se verra dans 15 jours. Alors, le petit document, pendant que je discutais, mais je ne l'ai carrément pas mis en place. Donc, je vais le faire sous vos yeux ébahis, installer ce petit PDF. Et on va regarder ça. Donc, en fait, l'idée, ça serait donc d'enrichir petit à petit une ligne de basse, mais sans en faire des tonnes non plus. Alors, attendez, affichage de la page, afficher masqué, machin, thème d'affichage, mode lecture, merci. Est-ce qu'elle est là? Oui, je vais rebaisser un petit peu comme ça. Voilà. Et donc, on va essayer, ben, comme d'habitude, hein, d'en donner un petit peu à tout le monde, aux débutants comme aux plus confirmés. Et on va essayer d'y aller étape par étape. Donc, la première étape, quand vous écoutez et quand vous avez envie de travailler sur un backing track, pour moi, en tout cas, le premier niveau, c'est d'isoler les points d'appui, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des points de rendez-vous précis à respecter avec les autres instruments? Et donc, il faut qu'on puisse isoler ces points-là et coller la basse dessus. Alors, comme on est des bassistes, la première note qu'on va coller, évidemment, c'est la fondamentale de chaque accord. Donc là, on est sur un blues en la, que des accords septièmes, c'est propre au blues. Le premier degré, c'est un La 7. Alors évidemment, ceux qui s'y connaissent un petit peu, le premier degré, normalement, c'est un accord purement majeur. Un La majeur 7. Mais vous savez que dans le blues, tous les degrés sont tordus en accord septième. Je ne vais pas trop insister là-dessus ce soir, hein, sur l'harmonie et tout ça. Mais en tout cas, on est bien sur une tonalité de La majeur, mais les accords sont tous tordus en accord septième. Le premier degré en La, le quatrième degré en Ré, le cinquième degré en Mi. Pour ceux qui sont déjà paumés par ces petites notions, bah rassurez-vous, on y reviendra de toute façon sur des prochains lives, ou alors faites-vous quelques replays sur le blues, comme je disais. Bon, les points d'appui. Quand on écoute le backing, bah essayez de repérer dans le chat, dites-le moi. À quel moment dans la mesure on a des points d'appui? Bon, c'est fastoche, en même temps, je vous ai mis un petit peu la partoche sous les yeux. Mais on va essayer de le repérer. Alors, ce backing. Peut-être. Non, il ne se déclenche pas parce que j'ai coupé le son, espèce d'abruti. Voilà, je reviens ici. Donc, on écoute, et effectivement. Écoutez, essayez d'entendre la grosse caisse de la batterie. Et le clavier qui met ses pêches en même temps que la grosse caisse de la batterie. Donc ça, c'est grosse caisse et clavier, hein, qui vous aide aussi, qui met pareil, les pêches, les points d'appui au même endroit que le batteur. Donc, bah, on peut commencer par ça pour éduquer notre oreille un petit peu. Isoler les points d'appui. Donc ça veut dire que si vous suivez un petit peu la première grille, donc c'est les trois premières lignes, eh ben allez-y, on y va, je vous guide pour ceux qui ont leur basse dans les mains. On va coller ces points d'appui. Si vous y connaissez pas en solfège, si ça vous dit rien, le calage rythmique et tout, on utilise les oreilles. On essaie de se chanter ce qui se passe. C'est parti. 2, 3, 4. Rien sur la deuxième mesure. Rien sur la 4. On change d'accord. Huitième mesure.
va être fondamental. On arrive sur la 9e mesure. 10e. 11e. Ok. Bon, ça déjà, en tant que débutant, d'arriver à caler ça, les points d'appui sur un backing, c'est super important, je trouve, avant de vouloir tout de suite enrichir en rajoutant des notes, quoi. Pour l'instant, on n'a pas parlé de gamme, on n'a pas parlé d'arpège, rien. On a juste parlé des fondamentales. Donc, quand vous voyez un accord de La, vous foncez sur le La. Un accord de Ré, Ré. Un accord de Mi, Mi. Ou Mi grave, hein, j'aurais pu faire. Ok ? Et donc, on a ces points d'appui. Et en fait, quand on va commencer à enrichir, on va essayer de garder en tête toujours ces points d'appui. On va essayer de toujours souligner ces points de rendez-vous avec le clavier et la grosse caisse du batteur. Ok ? On va essayer de garder ça. Et en fait, tout le truc, ça va être de tourner autour quand on va rajouter des notes, quoi. De tourner autour de ces points d'appui et de les intégrer en fait dans une ligne de basse qui soit un petit peu plus riche. Ok ? Ouais, je vous laisse débattre 19h-21h dans le chat. Mais ouais, oh putain, il y a du 21, il y a du 19. Hein. Ouais, c'est partagé. Bon, faudra regarder mieux que ça. Est-ce que je tonds le dimanche ? Je pourrais, parce que les voisins n'ont rien à foutre. Mais ça m'arrive. Effectivement. 19h pour Guillaume. Putain, mais ça y est. 21, 20h57, Stéphane. Mais oui. En fait, je vais faire un live toutes les heures. Comme ça sera réglé, quoi. Bon, on va voir ça. OK, pour ces points d'appui. Donc, à partir de là, on va commencer à entamer le reste. Et donc, je vais essayer de redresser ça un petit peu. On va passer au deuxième niveau. Alors là, essayez de nous dire dans le chat à partir de quel niveau vous allez être paumé, en fait, quoi. Et puis, comme ça, vous aurez une base pour travailler, justement, quoi, pour faire évoluer petit à petit vos lignes de basse. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en deuxième niveau ? Remplacer la fondamentale par une note d'arpège. Ouais, c'est-à-dire que, toujours pareil, avant de jouer plein de notes, ça y est, je connais ma gamme pentatonique, je vais essayer de faire des trucs. Même avant ça, on va continuer notre rôle de soutien, soutien harmonique. Et on va continuer à se pencher sur ces histoires de points d'appui et à essayer un petit peu d'enrichir notre langage. Rien qu'avec ces points. Donc toujours pas de gamme qui se profile à l'horizon, tout ça, mais simplement, à la place de la fondamentale, je me suis dit que, bim, je vous remets le document, je me suis dit que sur le La, j'allais remplacer la fondamentale par une quinte. Donc là, ouais, effectivement, maintenant, on commence à parler d'intervalle. Donc sur un accord de La, on a la fondamentale, et à côté, on a la quinte. Deux cases plus loin, corde du dessous. Vous pouvez interpréter comme vous voulez, hein, le passage sur la quinte, pourquoi pas faire un petit glissé, etc. Bon. Sur le Ré, je vous ai mis fondamental quinte aussi. Donc, ce qui est super avec cet instrument de feignasse, c'est que la mécanique est exactement la même, les gars et les filles. Donc bon, ça devrait bien se passer. Retour sur le La, mesure 19. Même plan. Et je cale bien mes points de rendez-vous. Petite variante, exemple avec la tierce. Au moment du Mi, je mets la tierce majeure. Donc là, ça permet, à nouveau, petite digression, de commencer à parler de la triade sur un accord septième. On a vu qu'on avait une fondamentale, une quinte, la quinte de Mi, c'est le même mécanisme que pour la quinte de La et pour la quinte de Ré. Donc vous voyez que j'aurais pu garder l'exemple de la quinte sur le Mi, mais hop,
J'ai mis la tierce majeure, donc du coup, ça permet de parler de la triade. Ok, et donc, à la place de refaire, comme sur le premier niveau, fonda, fonda, ce qui est très bien, fonda, tierce. Et je crois que sur le ré, j'ai fait la même chose. On est, badabadabadaba, mesure 22, fondamental en ré, tierce majeure, avec le fa dièse. Ok. Et mesure 23, pour le la, j'ai remis la quinte. Bon, un petit tour, une petite grille sur ce deuxième niveau, histoire de voir comment ça sonne. Donc vous reprenez le backing, et puis vous testez ça, quoi. Tri, fort. Fonda, quinte. Rien sur la deuxième, puisqu'il n'y a pas les pêches. Fonda, pour le fun, j'ai commencé à enrichir et tout ça. Et justement, bah, c'est ce qu'on va voir, ces enrichissements petit à petit. Donc là, on est au niveau 2. Ok, on a remplacé une fondamentale par une note de la triade, soit la quinte, soit la tierce. Et boum, déjà, ça étend les possibilités. Ok, Virginie, en ce qui me concerne, le niveau 5 va commencer à piquer un peu, je pense. Faut voir. Essayez de voir voilà, à quel moment vous êtes perdu et... Et voilà, ça vous fait vraiment une base de travail, quoi. Vincent, je te suis du Québec. Alors, pour l'heure, voilà. Oui, je comprends. Eh bah, ben, bienvenue aux potes du Québec. C'est vrai qu'il y a quoi, 6 heures de décalage, un truc comme ça, 6, 7 heures. Donc, ouais, je te comprends. Il est tôt chez toi. Où est-ce que ça va tout le monde ? N'oubliez pas, hein, si vous avez des questions sur tout ça, essayez d'écrire en majuscule parce que je loupe plein de trucs pendant le live. Et par contre, je vois, trop tard, mais je vois vos questions quand je check le replay. Bon, ok ? Évitons les points d'interrogation, on va troubler le prof. Mais en tout cas, écrivez en majuscule. Pascal, fais comme ça, t'arrange-toi, Seb, on s'adaptera avec plaisir. Bah écoute, de toute façon, bon, au bout d'un moment, il faut décider. Hein. J'ai envie de te dire, la démocratie est limitée dans ce genre de sondage, effectivement. Donc voilà. Alors, on va attaquer maintenant le troisième niveau. On a travaillé sur ces points d'appui. On sait qu'on n'est pas obligé de tout le temps mettre la fondamentale. On sait qu'on peut faire péter... au moins les notes de la triade, ça sonne bien. Une quinte remplace facilement une fondamentale. Une tierce peut se substituer à une fondamentale. Cool. Mais vous avez vu qu'en toute première note, j'ai quand même mis la fondamentale. Hein. J'ai vraiment changé sur le deuxième point d'appui. Hein. Le premier, je suis resté quand même sur la fondamentale de l'accord. Faut pas déconner, c'est pas du jazz. Troisième niveau. Alors... petit PDF. Clic. Troisième niveau, trouver une idée pour chaque deuxième mesure, puisqu'effectivement, pour l'instant, c'était zobby, les mesures vides. Donc, ouais, on peut commencer à envisager de remplir ces deuxièmes mesures. Donc, à chaque fois, les points d'appui, on les garde. À partir de là, bah, vous choisissez vos points d'appui, c'est-à-dire vous gardez fondamental, fondamental, ou alors fondamental, quinte, ou fondamental, tierce. Mais la mesure suivante,
Autant le point d'appui est une question, autant la mesure qui suit, ça peut être une réponse. Donc du coup, question, réponse. Question, réponse. 1, 2. Question, réponse. 2. Question. 1, 2. Réponse. Question. Alors là, souvenez-vous qu'au moment du mi, mesure 33, il n'y a qu'une seule mesure. Donc, question. Pas le temps de faire une réponse, il n'y a qu'une mesure. On change tout de suite d'accord, mesure 34, ré, question. Voilà, on touche à rien. Mesure 35, question. Et là, réponse. Et donc, en mesure 36, si vous regardez bien, je vous ai mis un premier plan blues. Donc, ce que je vous propose, c'est d'agrémenter, de commencer à fournir des choses sur les mesures qui étaient vides, et puis d'en profiter pour vous bosser un petit plan blues. Un plan, c'est quoi ? C'est un truc qui revient sans arrêt dans tous les blues du monde, et pas que les blues en la, mais les blues dans toutes les tonalités. Ce genre de plan... Oula. Voilà, c'est ce plan-là, je vous le remontre. Mesure 36. Bon, ça, c'est le genre de plan bah, que vous allez rencontrer tout le temps, dans tous les blues. Donc ça, il faut le prendre, le voler tout de suite, le retenir, le mettre dans un coin de sa tête et le ressortir au bon moment, quoi. Ce ne sont pas des croches ternaires. Alors non, Stéphane, puisque là, on est sur un blues binaire ce soir. C'est-à-dire que quand tu découpes chaque temps en deux, c'est en deux parties égales. Donc on va clarifier ça tout de suite. Hein. On va se réécouter le playback. Écoute la Charleston. Et c'est impossible de compter 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Parce que la batterie ne joue pas ça. La batterie joue tout droit, c'est-à-dire binaire. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Voilà, très droit comme ça. Ok ? Oui, on n'est pas sur un blues shuffle, on est sur un blues binaire où chaque temps se divise en deux ou en quatre. Voilà. Ok ? Binaire ou non binaire, demandez à Sandrine Rousseau. Putain, Seb, pas de politique sur les lives. Viens sur mon Facebook perso, bordel. Mais pas ici. On n'est pas en shuffle, donc, dit Pascal. Hein, voilà, on n'est pas en shuffle. Hein. Un shuffle, ça serait... Tu-cac, tu-cum, tu-cac, tu-cum, tu-cac, tu-cum, tu-cac, tu-un, et deux, et trois, et quatre, et un, tu-cac, tu-cum, tu-ca. Tandis que là, on est sur tung tu-ca, tung tu-ca, tung tu-ca, un, et deux, et trois, et quatre, et tung tu-ca, tung 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 ca, tung tung tu-ca, tung tu-ca, tung tu-ca. Vous entendez la différence, hein, rien qu'au niveau de la batterie. Hein. Quand la batterie joue binaire, on est sur du binaire. Quand la batterie joue ternaire, on est sur du ternaire. Quoi, hein. Ok. Donc, bah, sachant cela, si je vous remets le document, bah, j'ai rempli pour le troisième niveau. J'ai rempli. Donc, allez, donne, give it to me, là. Là. Je vous ai rempli la deuxième mesure, puis la quatrième, puis la sixième, par un petit plan, croche binaire et noir. Ok.
Bon, on se fait un petit essai, une petite grille comme ça, et donc ce petit plan blues à la fin que vous pouvez réutiliser dans tous les blues, quoi. Alors, est-ce que je le vois ici? Ouais. Come on! Ok, donc là j'ai commencé à coller une réponse. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans les réponses? Bon, question. 1, 2. J'ai mis ça. Qu'est-ce que j'ai mis par exemple pour le La? J'ai mis l'octave, j'ai mis la septième mineure. Et j'ai mis ma bonne vieille quintasse de tout à l'heure, le Mi. Ok, et je vais me servir de ça. Alors que je joue dans ce sens? Ou alors que je joue dans ce sens. Pff, ça marche quoi, puisque ces notes appartiennent à l'accord. Donc pas de problème. Donc ce qui veut dire que maintenant, bah, on a utilisé la quinte tout à l'heure, bah, maintenant on a l'octave et on a la septième. Tout à l'heure on a aussi placé de la tierce. Bon, ça veut dire que si je veux commencer à enrichir mon blues, le minimum syndical, c'est de connaître son arpège septième. Donc sur un La septième, le bon vieil arpège septième, ça, il faut le connaître. Fondamental, tierce majeure, quinte, septième, jusqu'à l'octave. Et rien que l'arpège joué comme ça, ça sent le blues, le rock'n'roll. Donc vraiment, hein, c'est... Ouais, il faut vraiment connaître ces arpèges. C'est hyper important. Où êtes-vous, l'autre chat? Oui, il faut quand même une certaine constance dans les questions et les réponses. Même thème. Alors voilà, hein, Fred, effectivement, si on ne veut pas que ça se finisse en solo de basse, l'affaire avec des variations tout le temps et tout, machin, tu changes à chaque mesure et tout. Hein, ce que je vous ai fait dans le générique d'ailleurs, je vous ai fait un petit florilège des possibilités de lignes de basse, mais je ne vais pas forcément varier mon jeu autant sur une chanson, surtout quand il y a un chanteur, une chanteuse. Là, on n'oublie pas qu'on bosse sur un backing track, il n'y a pas de chant. Quand il y a du chant, ça rajoute un instrument, ça rajoute de la mélodie. Derrière, il ne faut pas s'amuser à faire l'oiseau, à faire des milliers de variations. Il y en a quelques-unes à faire avec parcimonie, et c'est là qu'arrive le goût, en fait, hein, le bon goût, et pas la surenchère, quoi. Donc ouais, il faut trouver quelques petites phrases, quelques petits plans, et ensuite on s'y tient. Hein. Il faut rejouer les mêmes lignes de basse encore et encore. On fait partie des instruments qui accompagnent, qui doivent jouer des boucles. Imaginez si le batteur, il était comme ça, au lieu d'être constamment si le batteur, toutes les mesures, il faisait pum tac pum pum tac tac pam pam sting ping pom pom rat de pack pum papak pum pum sting prak kum stick pa. Eh mec, va jouer dans Dream Theater, mais viens pas au jam de blues, c'est pas la peine, tu vois, chiant, t'es chiant, tu joues bien mais t'es chiant.
Voilà, donc ouais, faut arriver à voilà, trouver quelques idées, les travailler, et puis après être constant, quoi. Pourquoi tu prends la septième mineure alors que l'accord est noté en La majeur ? Demande Eldrias. Alors, il n'est pas noté en La majeur, il est noté en La 7. Regarde bien. Il est noté en La 7, c'est pas un La majeur 7. C'est un La 7, un accord septième. Donc le petit truc, Eldrias, c'est que c'est un accord majeur, donc, avec fondamentale, tierce majeure et quinte. Donc c'est un accord majeur, mais qui contient 7, une septième mineure en son sein, et pas une septième majeure, une septième mineure. Donc du coup, c'est bien un accord majeur, mais avec une septième mineure. C'est ce que j'appelle un accord hybride, en fait, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai mis la septième mineure, ok ? C'est un accord septième, pas un accord majeur septième. Et on fait souvent la confusion, quoi. Gary, mon guitariste connaît que des blues en mineur. Du coup, en septième, ça va pas bien. Je joue en mineur ou je change de guitariste. Alors, ce qui est super avec les accords septième, je sais plus si j'ai mis des exemples ce soir dans les niveaux, mais ce qui est super avec les accords septième, c'est qu'on vient de dire que c'était des accords majeurs avec la tierce majeure ici, mais avec une septième mineure dedans. Ce qui est super, c'est que comme c'est un accord hybride, il accepte la tierce majeure, mais il accepte aussi la tierce mineure, et là c'est fou. Exemple. Voilà, ça c'est un blues, une ligne de blues avec un accord septième, et j'utilise la tierce majeure. Et écoutez ce que ça fait si je change ma tierce majeure. Là, je viens de mettre une tierce mineure. Et ben, ça va coller sur mon blues. Donc, les accords septième acceptent les deux. Donc ça, c'est cool. Bim. Je suis obligé. Voilà. De valider un commentaire de Stéphane. On serait contraint de l'abattre. YouTube modère cette expression. Fou. Non, garde ton guitariste, mais il faudrait peut-être qu'il se mette aux accords septième, hein. Sans déconner. Parce que le blues mineur, ça existe avec des accords mineurs, c'est très sympa. Mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus répandu, quoi. Donc, ouais, les accords septième, il faudrait y aller, quoi, pour jouer du blues. C'est 95% des blues, quand même, hein. Donc, voilà. Est-ce que ça va ? Avec une septième mineure, ce n'est plus le premier degré. Ah ouais, alors, Aymeric, c'est ce que j'ai dit au début, tu es peut-être arrivé un petit peu à la bourre, mais quand on regarde une grille comme ça, on est bien sur un blues en la tonalité, c'est bien la. Mais ceux qui connaissent leur degré, normalement, on devrait avoir un La purement majeur. Un La majeur avec une septième majeure. Le quatrième degré, quand on connaît ces degrés, on sait que le quatrième degré, lui aussi, il est majeur. Donc, on ne devrait pas avoir un Ré 7, on devrait avoir un Ré majeur 7 avec une septième majeure. Il n'y a que le cinquième degré, le Mi, on sait, pour ceux qui connaissent leur degré, les degrés de la gamme majeure, on sait que le cinquième degré, c'est un septième, c'est un accord septième, c'est un degré septième. Donc, le Mi 7, ok, on est bon, il est bien cinquième degré. Mais alors, le 4 et le 1 dans un blues, ouais, il y a un problème. Et comme je disais au début du live, on ne va pas insister là-dessus ce soir sur le côté analyse harmonique, mais dans le blues, c'est vraiment un truc spécifique au blues, le premier degré, le quatrième degré et tous les degrés que tu veux peuvent être tordus en accord septième. Donc si vous voyez un blues qui commence par un La 7, ne commencez pas à dire « Ah ouais, attends, on est un La 7, alors c'est un La 7, La 7, attends, c'est la quinte, c'est le cinquième degré, bouge pas, clac, clac, clac. » Et vous commencez à vous tordre un testicule, quoi. On est en Ré majeur, qu'est-ce qui se passe ? Non, 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 c'est bien le premier degré, mais il a été violenté, ce La majeur 7 en La 7. Et c'est propre au blues, quoi. Le quatrième degré, pareil. Il est majeur 7 ? Non, rien à foutre. Le blues a transformé en accord septième. Donc, il faut qu'on continue de considérer l'harmonie telle qu'elle a été comprise. On est bien sur un blues qui utilise les degrés 1, 4 et 5, mais
tordu en accord septième. C'est vraiment spécifique au blues. C'est ce qui fait que cette musique est vraiment particulière quand on fait de l'analyse harmonique, quoi. Bon, voilà, il faut le pratiquer et après considérer que tous les accords sont des accords septième. L'avantage, c'est qu'un plan que vous bossez sur, par exemple, l'A7, l'avantage, c'est qu'il va mécaniquement tout de suite fonctionner sur le Ré7 et tout de suite fonctionner sur le Mi7. C'est ça qui est bien aussi avec le blues, quoi. On peut se resservir facilement des plans, quoi. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ah, ça discute du Hellfest et tout ça. Oui, c'est la S, hein, tout est déjà loué. Et la fameuse note bleue, dit Pascal. La note bleue, on peut l'utiliser au sein des lignes de basse. Sur le La. J'aurais pu la mettre dans les exemples là qu'on est en train de voir. Comme on sait que sur un accord septième, comme je disais tout à l'heure, on peut jouer majeur, donc par exemple pentatonique majeur, mais que l'accord septième accepte aussi qu'on joue mineur. Et dans la pentatonique mineure, on peut rajouter la note bleue entre la quarte et la quinte. Et donc tu fais ton choix de. Tu fais ton choix de gamme, en fait, quoi. Soit tu joues majeur, soit tu joues. Tu donnes une couleur mineure, même avec la note bleue, soit tu fais un mix des deux. Hein, en fait. Et là, je pense que dans les niveaux, j'en ai pas trop, je l'ai pas trop évoqué parce que là, ce qui m'intéresse, c'est les solutions pour remplir un petit peu plus les mesures, quoi. Et donc le contexte harmonique, je suis resté assez basique, je suis resté principalement sur les arpèges. Voilà. Donc quatrième niveau, ça consiste à combiner les deux premiers niveaux. Donc vous allez retrouver un petit peu tout ce qu'on a dit. Je vous joue une grille directe, hein, on y va. Quatrième niveau, c'est parti. Yes. Fonda, fonda, ça c'est le premier niveau. Je remplis. Fonda, cette fois, quinte. Voilà, je fais un mix. Fonda, je remplis. Et là, fonda, quinte. Je fais ce que je veux. J'ai laissé le Mi et le Ré tranquille. Fonda et tierce. Et là, je vous mets un deuxième plan. Ça vous fait un deuxième plan blues. Pareil, c'est une phrase à mémoriser, à pratiquer et à replacer dans tous les blues de la terre. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une relance, quoi, hein. Pour relancer la grille, on revient au début de la grille et on rejoue encore, encore et encore et encore et on relance la grille. Ce qui est bien avec les petits plans blues comme ça en fin de grille, c'est que, éventuellement, ça rappelle à tout le monde que la grille va recommencer au début. Ça veut dire qu'on est sur la fin avec cette relance. Attention, les gars, ça revient au début! Voilà. Si le batteur est dans le même mood, ram-tum, stick-a-pam-pom, lui aussi, il va faire sa petite phrase par-dessus la vôtre.
tout le monde comprend, chanteur, chanteuse, choriste, clavier, guitariste et le public. Tout le monde comprend que ça y est, on est en fin de cycle, on revient au début, c'est reparti, on vous en remet une couche. Okay ? Donc ça sert à ça les plans. Donc n'hésitez pas à les mémoriser, à les voler et voilà, à les replacer dès que vous pouvez, quoi. Comment reçoit-on le mot de passe pour l'espace VIP demande s.greg ? Je viens de rejoindre le Bassistic Live, mais rien reçu sur mon mail. Alors, Vitos, pour recevoir le mot de passe VIP, il faut être VIP. Et pour cela, il faut cliquer sur « Rejoindre », le bouton « Rejoindre » sur la chaîne YouTube. Et normalement, dans le chat, tu vois plein de petits mecs qui sont en vert, alors que toi, tu es en gris. Eh ben ça, c'est des VIP. Repère-les bien, ces gars. Et ils ont cliqué sur le bouton « Rejoindre », ils ont pris un abonnement à 4,99€. Ils ont rejoint la team YouTube bassistique. Et c'est pour ça que maintenant, eux, ils ont un mot de passe pour récupérer le contenu. Et puis, deux fois par mois, il y a des lives supplémentaires réservés aux membres, le mercredi soir à 21h. Et des petites choses comme ça, et d'autres choses qui vont arriver bientôt. Et vous êtes 52, je crois, membres de la chaîne. Et donc, bah, j'en profite pour vous remercier, les petits hommes verts dans le chat. Et les filles aussi, s'il y en a. Donc voilà, pour le mot de passe, c'est comme ça. Si tu ne veux pas devenir membre YouTube, tu peux. L'autre solution, c'est d'aller faire un tour sur le Tipeee. Regarde, en début de chat, j'ai mis l'adresse. Et à partir d'un don de 2€, tu récupères le contenu des lives. Et si tu es déjà un tipeur régulier, eh ben, tu vas recevoir un mail avec le contenu du live, la partition, le Guitar Pro et le backing track. C'est dur de faire de la pub. Mais c'était une bonne question. Et merci à tous, en tout cas, pour les contributeurs et pour les spectateurs. Bon, on continue. J'ai déjà rejoint et j'ai payé l'abonnement. S. Greg. Oula, alors dans ce cas-là, il y a peut-être eu une petite erreur de manip ou quelque chose comme ça, parce que tu n'es pas en vert, donc c'est à vérifier. Envoie-moi un message à MP sur Facebook ou sur mon adresse mail. Mais tu confonds peut-être avec le fait que tu te sois abonné à mon site bassisticlife.com. C'est pas la même chose. Hein. Être membre de mon site, t'es membre, mais ça sert à rien sur mon site, en gros. C'est une fonction du site. Je sais comme ça que qui s'abonne à mon site, mais c'est pas pareil hein, que de rejoindre la chaîne YouTube. Donc c'est peut-être ça, il y a peut-être une confusion. On va éclaircir ça. Les VIP ont droit à un massage. Oui, un massage cérébral. C'est en ce moment, c'est maintenant, c'est là. Et on continue avec le cinquième niveau. Qu'est-ce qu'on peut faire après tout ça ? Chuit. On cherche des variantes en respectant les points d'appui. Donc là, ça commence à se lâcher dans le cinquième niveau. La ligne de base, vous voyez qu'elle est plus fournie. Les espaces qui étaient vides commencent à se remplir. Et donc, bah là, je vous ai fait une proposition de ligne de basse. Et évidemment, l'idée, c'est de se dire qu'il y en a plein, plein d'autres. Si vous êtes sur votre outil arpège, vous pouvez en trouver tout un paquet. Si vous êtes sur votre outil gamme pentatonique, la même chose. On va pouvoir peut-être l'évoquer un petit peu après avec le sixième niveau. Pour l'instant, bah, j'essaie de vous jouer le cinquième niveau. On cherche des variantes. Bah, si vous observez un petit peu la première mesure, pont, pimp, regardez bien ici, je vais essayer, voilà, bam, pam, ici, les points d'appui sont présents et j'ai rempli juste après. Donc finalement, les points d'appui sont toujours là. Vous pouvez regarder mesure 51, les points d'appui sont là. Mesure 53, les points d'appui sont là. Mesure 55, les points d'appui sont là, avec la fonda et la quinte. Mais je vais commencer à broder dans la mesure, à rajouter des notes, en fait. Hein. Donc c'est ça, hein. On cherche des variantes, mais on respecte les points d'appui. Et puis sur les mesures qui étaient vides ou pratiquement vides, bah voilà, je commence à rajouter du rythme, en fait. Et à partir du cinquième niveau, la difficulté, je pense, c'est que ben, elle va être rythmique. On va commencer à faire du remplissage rythmique. Donc là, il faut commencer à s'accrocher, effectivement. Et pour le sixième niveau, on va passer au double croche. Donc, ouais,
on va perdre du monde. Mais ça peut être sympa. Ça, je trouve que ça groove bien les doubles croches. Si on n'en abuse pas. Donc, cinquième niveau, on essaie de faire ça. Puis... C'est pénible. On dirait Bruno Tosin. Ah là là. Ne faites jamais ça à la maison. Ok. Ouais. Il est méchant. Dès que vous pouvez. Ne lisez pas les plans, les lignes de basse et tout. Il faut que ça sorte de votre cerveau malade de musicien. Il faut éviter de lire en jouant tout ça. Là, je suis obligé de lire parce que je les ai inventés. Je les ai écrits cet après-midi. C'est des plans qui ont été joués des millions de fois à travers l'histoire du blues. Mais il faut que ça puisse sortir spontanément, quoi. D'accord. Donc, travaillez-les sur partition, avec le playback, ce que vous voulez, jusqu'à ce que vous sentiez que vous n'avez plus besoin de les lire et qu'ils peuvent ressortir par cœur, en fait, quoi. Parce qu'après, l'idée, ça va être de combiner tout ça, de choisir dans sa banque sonore, dans sa banque mentale, des plans qu'on a appris. De les ressortir de manière spontanée. C'est ce qu'on appelle l'improvisation, hein. C'est d'avoir ingurgité des plans et de les avoir digérés pour pouvoir les ressortir, quoi. Donc voilà. Gilles. Merde, je me suis lâché. Oh, Greg, bienvenue dans le club. Ça y est, Greg est devenu membre. Merci à toi. Merci à toi, Greg. Ben voilà, maintenant t'es en vert, on est bon. Et Pierre aussi, bienvenue Pierre, merci à toi. Vous êtes maintenant membre VIP de la chaîne YouTube. Et donc, vous pourrez regarder une petite vidéo qui est réservée aux membres avec le code dans la vidéo pour accéder à l'espace membre sur mon site bassisticlive.com. Et vous pourrez donc récupérer tous les contenus des lives. Les trois derniers lives, je crois, et plus les lives privés qui ont eu lieu le mercredi à 21h. Il y a un live privé avec du contenu récupéré. Voilà. Greg is green, dit Seb. Ok, donc, voyez un petit peu que ce cinquième niveau, alors je ne sais pas, qui a résisté au cinquième niveau.
Vous me direz ça dans le chat, en commentaire et tout ça. Est-ce que le cinquième niveau, vous voyez que bah voilà, là ça commence à être étoffé. On pourrait très bien s'arrêter là. Petite parenthèse, je reviens. On pourrait très bien s'arrêter dès le premier niveau pour accompagner un blues, hein, quasiment. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous fournissez très peu à la basse que voilà, c'est pas bien. Là, quand je parle de niveau, je parle de niveau de difficulté dans l'exécution de la ligne de basse, dans les options qui sont choisies. Mais je parle pas de niveau musical, évidemment. Donc ça veut dire que si vous êtes au premier niveau, au deuxième niveau, au troisième niveau, tout ça, et que ça vous va bien, que musicalement, vous trouvez que ça suffit, que c'est dans le contexte, dans l'esprit du groupe avec qui vous jouez et tout ça, eh ben stop. Et c'est très bien. D'accord? Je veux juste préciser ça, quoi. Hein. Voilà, on n'est pas sur une question de niveau musical, on est sur une question de difficulté d'interprétation des lignes de basse. Mais voilà, le cinquième niveau est pas mieux que le quatrième ou le deuxième, quoi. Moi, je voulais juste préciser ça. Eh ben, ceci dit, en parlant de difficulté musicale, on va arriver au sixième niveau avec l'introduction des doubles croches. Donc, voilà, c'est pareil, c'est absolument pas obligatoire, il faut pas savoir faire ça pour être un super groover de blues binaire. Voilà, c'est des options en plus, quoi. On est bien d'accord avec ça, j'espère. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce sixième niveau? Effectivement, là, on va commencer à complexifier rythmiquement. Donc, on a des valeurs de notes plus petites, les doubles croches qui arrivent, donc ça va jouer plus vite sur la basse, quoi. Bon, c'est là qu'est le danger pour ceux qui ont une bonne technique, un bon rythme et tout. Comment on dit, je cherchais le terme en anglais, overplay, de faire trop de jouage, quoi. Et de faire du overplaying. On en fait trop, quoi. On en fait trop, c'est pas nécessaire. Alors, autant on pourrait dire sur le niveau 1, c'est peut-être pas assez, tout ça, mais ça peut s'entendre beaucoup moins que « Ah ouais, là, mec, t'en fais trop. » Il vaut mieux en faire pas assez, à la limite, très sobre, que en faire trop. Le overplaying, c'est vraiment « Bon, bah là, t'es viré. » Si t'en fais pas assez, ça va si tu tiens la baraque. Si, comme tu tiens la baraque avec les fondamentales. Pourrais très bien faire ça. Tout ce que les mecs vont te dire, c'est à la limite, c'est tout leur espoir, ça va être de te dire, bah mec, tu tiens la baraque, c'est très bien, tu fais le job. Peut-être que avec l'expérience, la pratique, peut-être que tu vas pouvoir étoffer ta ligne de basse au long des répétitions, au long des concerts et tout ça. Et c'est cool. Mais un mec qui est tout de suite en overplaying, quoi, en surjouage, voilà. Merci. Merci, surjouage, en surjouage. Là, par contre, pour le faire redescendre, ça veut dire qu'il faut qu'il mette son ego de côté, tout son bagage qu'il a acquis en bossant pendant des heures. Et faut lui dire, mec, tu peux la fermer, joue simple, fais-en moins. C'est beaucoup plus difficile, je trouve, de dire ça à un gars et que le gars ensuite rabaisse son ego, hein, et le fasse. Je trouve ça plus chaud. Imaginez toujours, je prends toujours l'exemple avec les élèves. Imaginez Victor Wooten avec son jeu de Victor Wooten qui auditionnerait à l'époque pour Nirvana. Vous pensez qu'il serait pris? Non, il serait viré. Tout simplement. Et c'est Chris Novoselic qui aurait le plan. Et voilà, donc toujours respecter le contexte et puis essayer de ne pas en faire trop, trop, trop. Too much, quoi. Donc du coup, on peut quand même essayer de faire groover l'affaire. Et voilà, après, c'est une question aussi subjective. Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'on peut en mettre encore plus? Bon, ben ça, chacun juge. On va essayer de faire un petit tour là-dessus. J'essaie de vous faire écouter ce que j'ai mis. Et puis, ben, dites-moi dans le chat, dites-moi dans les coms quand le replay va arriver. Est-ce que c'est too much par rapport au playback? On va essayer. 3, 4.
J'ai du mal à pas improviser. J'arrive pas à rejouer mes propres plans, c'est super. Bon, là, j'ai essayé de le faire quand même sur les deux dernières grilles. Excusez-moi, c'est l'émotion. Bon, comment vous sentez le truc par rapport à ce que vous entendez de la batterie, du clavier? On rappelle qu'il n'y a pas de chant, il pourrait très bien y avoir du chant. Ouais, c'est aéré, du coup, Imric, il y a des plages de silence, donc ça passe bien. C'est sympa quand même, on est plus dans l'esprit funk que blues. Alors, on n'oublie pas que c'est un blues binaire, donc de toute façon, c'est un blues funky. Quand t'écoutes la batterie, elle demande que ça, à ce que le bassiste groove, quoi. Hein. On n'est vraiment pas dans un blues à la papa. On n'est pas du tout dans le ternaire, donc du coup, le côté binaire fait que oui... oui, ça devient funky. Et plus tu complexifies avec des doubles croches, oui, bien sûr. Hein. C'est ça. Sur ce thème, je préfère un jeu plus épuré du coup que la dernière ligne proposée. Après, chacun ses goûts, comme dit Seb. Voilà, hein, perso, je préfère la cinquième variation, donc d'en faire moins. L'autre Seb aussi dit ça. Help, je ne sais pas si c'est mon enceinte qui est toute moisie, mais j'entends très peu la basse. Ah, alors le chat, est-ce que vous entendez pas suffisamment la basse, dites-moi. Je vérifie mes paramètres. Normalement, elle est quand même à Burnas chez moi. Ou alors c'est le playback qui est trop fort, peut-être. Je peux le baisser. Hein. Tiens, on se refait un petit essai comme ça. Mmh. Mieux là. Ah, dites-moi. Hop là, faut que j'arrête le playback. Ouais, j'ai baissé un petit peu le playback, peut-être un petit peu trop. Je sais pas. Voilà, ou alors c'est tes enceintes. Impec le son, Franck. Ok, merci. Ouais, c'est bien équilibré. Backing et basse, les pieds. La basse est à Burnas. Oui. Expression? Peut-être charentaise ou peut-être inventée, je ne sais pas. Burnas du terme burne, bien sûr. Moi aussi, j'ai du mal à écouter la basse. Mieux, merci. Bah alors, c'était peut-être le backing qui était trop fort. Faites gaffe aussi hein, à vos systèmes d'écoute, hein, effectivement. Le mieux, c'est au casque, parce que même des enceintes, si c'est des petites enceintes d'ordinateur, ça prend pas les basses, quoi, de toute façon. Voilà. Donc ça dépend de ce que vous avez, quoi. Bon, en tout cas, voilà, pour ce sixième niveau, on intègre les doubles croches. Alors effectivement, hein, Chris a raison, hein. Dès lors que vous faites ça, bah, vous commencez à funkifier le blues. Mais il demande que ça, puisqu'il est binaire. Mais voilà, il faut essayer de ne pas faire de surjouage, quoi. Donc si on se refait un petit tour. Ensuite, voilà le truc. Une fois qu'on a passé qu'on a pris conscience de tous ces niveaux-là, effectivement, faites vos choix artistiques. Troisième niveau, deuxième, premier, ok, le deuxième, il est un peu léger, ok, là-dessus, quatrième, ouais, j'aime bien, clac, c'est dans l'esprit. Et puis surtout, bah, il faut arriver à finalement s'adapter au contexte, à avoir suffisamment d'attention sur les autres, pour essayer de s'insérer au mieux et d'être dans l'esprit de la chanson. Et finalement, il n'y a qu'une seule loi, c'est le contexte en musique. Hein. C'est que, à la fin, c'est ça qui décide. Là, n'oubliez pas, comme je disais tout à l'heure,
on est sur un backing uniquement musical. S'il y avait un chanteur en plus ou une chanteuse, bim, elle rajoute une mélodie, donc peut-être que vous derrière, voilà. S'il y avait, je crois qu'il n'y a pas de guitare hein, sur ce backing, il n'y a que du clavier, il me semble, je ne sais plus. S'il y avait une guitare en plus, hey, bienvenue Madame Big Baff chez les membres YouTube, merci à toi. S'il y avait une guitare en plus, s'il y avait des cuivres, bon bah là, faut peut-être se calmer, se détendre sur les lignes de basse. Et encore, quand on écoute le Tower of Power, il y a moyen d'en discuter. Mais bref, tout ça, après, ça devient subjectif, c'est votre tempérament artistique qui doit parler, quoi. Mais ceci dit, finalement, au final de tout ça, l'idéal, ça serait de générer nos propres lignes de basse. Donc du coup, on peut peut-être finir avec ça, on va essayer de repasser le backing, et puis de se faire quelques tours, en essayant de résumer un petit peu tout ce qui s'est passé. Mais en même temps, ça va être de l'improvisation, donc j'essaierai de décrire ce qui se passe. Mais voilà, on se fait quelques tours et on essaye de ne pas surjouer. Mais encore une fois, il y a une part de subjectivité. Free for. Ok, par exemple, je suis en train de penser à un truc. En fait. Bon, là, voilà, là, j'ai mis plein de possibilités d'accompagnement et tout ça, mais en fait, j'essaie d'auto-générer des plans. Et là, je ne me pose pas trop les questions, finalement, est-ce que c'est dans le contexte ou pas, est-ce que c'est trop ou pas. Là, pour l'instant, j'essaie de sortir des plans comme ça de mes doigts que j'ai travaillé avant et qui doivent ressortir avec la pratique et tout. Après, ce que je me dis, toujours pareil, l'idée des scénarios, si vous avez suivi le live sur les contrastes, quand on a analysé des lignes de basse qui utilisent les contrastes, phénomènes de questions-réponses et tout ça, dans le scénario, peut-être qu'on peut se dire, par exemple, je vais essayer de vous le décrire pendant que je joue. Ouais, on va essayer de faire ça. 2, 3, 4, intro. Je fournis. Funky. Il n'y a toujours pas de chant. Là, je suis à base de double croche. Je fournis. Le chant arrive. Et là, j'allège. Je laisse la place au chant. Je
solo de guitare. Et le gars, je le pousse. Et là, il est en train de monter son solo, et moi aussi. Je m'énerve vraiment parce que là, il fait un solo de porc. Et là, il va finir son solo. Gros moment de calme. Bon. Il a fondu les plombs. En fait, le problème avec ces backings, c'est que c'est pas tout à fait la vraie vie, en fait, par rapport au fait de jouer vraiment de la vraie musique en groupe, quoi. C'est que là, tout ce que j'ai essayé de vous décrire, c'est des moments que je peux vivre en groupe, quand il y a justement un chanteur, une guitare et tout ça. Et le défaut avec ces backings, quand même, sur YouTube, c'est que c'est encéphalogramme plat pendant 8 minutes, quoi. C'est une boucle qui tourne toujours pareil. En fait, il n'y a pas de nuance de jeu. Il ne se passe rien. Une fois que la grille est faite sur 12 mesures, elle repasse 3000 fois pendant 8 minutes, quoi. Et donc, il y a des choses qui nous échappent. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, pour finir peut-être ce soir, il faut que je retourne à l'apéritif, c'est que le contexte, encore une fois. Donc, si un batteur commence à nuancer, il faut que vous nuanciez. S'il commence à apporter d'autres idées, il faut que vous ayez d'autres idées. Si un chanteur laisse la place à un guitariste fou, il faut accompagner ce guitariste dans son délire, quoi. S'il a envie que le backing band derrière le pousse, tu vois, et que ça devienne intense, il faut qu'on ait... Et là, le chanteur va revenir. Le solo est fini. Et le mec va reprendre un chant. Et c'est des grosses nuances comme ça aussi. Donc, quelquefois, il faut en mettre beaucoup. Et c'est l'intérêt de bosser sa technique et son rythme et tout ça. C'est que... ça permet de nuancer, en fait, quoi. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Il faudrait pouvoir se donner des exemples avec un vrai groupe. Ceci dit, dernier petit conseil peut-être pour ce soir, en vous remerciant d'avoir été encore présent ce soir, et on verra si on passe à 21h ou 19h et tout ça. Merci à ceux qui sont devenus membres pendant ce live. Merci à vous. Ce que vous pouvez faire, dernier petit conseil, c'est regarder des concerts de blues, prenez un morceau et faites pas trop gaffe à ce que le bassiste fait, tout ça et tout, mais essayez de regarder l'ambiance générale et essayez de repérer le scénario dans un blues. Les moments de calme, les moments où ça s'intensifie, pourquoi ça s'intensifie, d'où ça part et pourquoi d'un seul coup, ça se calme et d'où ça part. Et essayez de repérer les connexions entre les musiciens, parce que souvent c'est improvisé, et essayez de comprendre justement ces questions d'ambiance et à quel moment il faut surjouer, c'est-à-dire en rajouter pour donner de l'énergie, et à quel moment il faut se calmer. Et parmi ces six niveaux, vous avez de quoi piocher, je pense, parce que les six niveaux sont jouables
vraiment en contexte de groupe, même le niveau le plus simple. Parce que quelquefois, c'est ce que la musique demande, comme je vous disais tout à l'heure. Derrière un solo de guitare où vous fournissez comme un malade, et ben voilà, on est revenu au calme, premier niveau. Alors que pendant le solo de guitare, on était sur le 6e, 7e, 8e niveau. Vous voyez ? Voilà donc le contexte musical. Essayez de repérer ça sur YouTube, sur les vidéos, sur les concerts et tout ça. Enfin voilà. Le replay est en ligne dès la fin du live ou faut attendre un peu ? Ouais, dès la fin du live, normalement, le replay arrive quasi instantanément, Guillaume. Donc voilà. Pascal, enrichir une ligne de basse d'un morceau connu, c'est aussi un exercice intéressant, mais pas facile. Oui, voilà. Les covers à la lettre, c'est intéressant quand on a besoin d'analyser, quand on a besoin de travailler le rythme, la technique et tout ça, on fait un cover à la lettre. Mais dès qu'on a envie d'être créatif un petit peu, évidemment, il y a des basses obligées. Si vous faites... Bon, vous ne pouvez pas inventer autre chose, mais il y a des basses obligées. Évidemment, mais il y a plein d'autres morceaux où les basses ne sont pas obligées. Vous pouvez créer vous-même votre truc, et c'est un super exo, bien sûr, hein, sur les morceaux connus, bien sûr. Lipfi, il faut bien maîtriser tout le manche et un max de jeu pour accompagner avec du relief. Bon, on en revient toujours à la même chose, hein. Plus on en connaît sur le manche, plus on peut avoir d'idées. En fait, hein, plus on a de vocabulaire, plus on peut dire des choses intéressantes. On peut aussi dire de la merde. Et c'est là, hein, le surjouage, le goût, le sens esthétique et tout ça. Enfin, il y a plein de trucs, quoi, hein. Il y a plein de paramètres en musique. Mais oui, bien connaître son manche, forcément, on multiplie les possibilités. Et on en revient toujours au même. Connaître ce fucking neck. Ouais, Laurence, le contexte est essentiel, quoi. Hey, Olive. Fais chier, j'ai loupé le début comme d'hab. 19h, c'est l'apéro chez moi. Eh ben écoute, il y a un débat. Soit on reste à 19h, soit on passe à 21h pour l'heure d'été. Puisque tout le monde est plus longtemps à l'apéro, comme il fait jour, il fait beau et tout ça. Donc donne-moi ton avis, je regarderai le chat, voir qui l'emporte, 19h ou 21h. Je reposerai la question sur Facebook de toute façon. Tout bien dit encore comme il faut. Merci Laurent. Alors, Yepsep, t'es un de mes abonnés, toi, Olive ? Je sais pas, peut-être, mais qui sait ? Dès que je sais ce que tu fais, je te donnerai la réponse. Merci encore pour ce live, Seb. Eh ben, merci à vous, en tout cas, d'avoir été présent. Ben, je vous laisse justement aller prendre l'apéritif. Moi aussi, je vais y aller, j'y retourne. Je ne vous dis pas à dimanche prochain pour cause d'élection, mais à dimanche dans 15 jours. Et là, on verra bien si c'est 19h, si c'est 21h, si quoi est-ce, comment, où est donc Ornicard. Merci à tout le monde. On finit par une petite impro sur cette grille de blues. Je vous laisse à dans 15 jours. Et pour les membres de la chaîne, et ben, pas ce mercredi-là, mais l'autre. Voilà, on se fait un petit live privé. Bye bye. Je mets le générique de fin avec ce petit blues. Ciao.